Salut, c'est Mega Driver 16. Nous sommes à l'étape 14 de mon tour avec Omega Pharma Quickstep sur l'étape de Saint-Pourçain sur Sioule qui arrive à Lyon. Avec Cavendish à 4,8 km du sprint intermédiaire, avec Bounen en protection. Et j'ai fait partir. Alors, déjà, on va se mettre en grand plateau là pour mettre en route. En route le train Omega Pharma Quickstep pour ce sprint intermédiaire. Ils ne nous suivent pas, là on dirait, à 3 km de l'arrivée. Et j'ai Tony Martin que j'ai fait partir en échappée ce matin avec Perez, Wynance, Cheros et Westra. Alors on va d'abord se concentrer sur le sprint intermédiaire. Où c'est qu'ils sont derrière? Mais ils sont loin. Hein. C'est bizarre, on dirait qu'ils ont abandonné. On dirait que Kittel, pourtant il y avait un train. J'ai vu le train des lotos se mettre en route à plus de 10 km du sprint intermédiaire. Et puis finalement, non, ils ont lâché l'affaire. Donc, je ne sais pas. Peut-être que comme il n'y avait qu'une sixième place à récupérer, ça ne les intéressait pas. Donc je vais demander à Bounen de m'attendre ainsi qu'à Cavendish. Voilà. Il devrait normalement y avoir un regroupement général. Ensuite, on va demander à tous les autres de rester dans leur groupe parce que je n'ai pas envie que Katowski se fatigue. Voilà. Avec même en prévision, je vais mettre qui? Chavanel en protection de Katowski, mon maillot jaune. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il se préserve en vue du final à Lyon. Et de surtout l'étape de demain, la terrible étape du Mont Ventoux. Donc, là, je vais reprendre la main avec Tony Martin. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il puisse démontrer sur cette étape qu'il est capable de s'imposer sur un autre terrain que le contre-la-montre. Car c'est aussi un très bon puncher, il a de bonnes stats en ballon. Donc là, on lui fait déjà relancer un peu la machine de l'échappée pour reprendre du temps. Et on va se retrouver un peu plus tard dans l'étape. On se retrouve donc dans le final à 20 km de l'arrivée à Lyon. L'échappée avec Tony Martin a pris de l'ampleur puisqu'elle est maintenant à 15 minutes 10 du peloton. Et donc, je vais faire attaquer hein, probablement Tony Martin d'ici peu, car ce que j'aimerais bien quand même pouvoir gérer en même temps, c'est une attaque de Kwiatkowski. On ne sait jamais, dans le final de Lyon, quelquefois ça peut réserver de bonnes surprises avec des chutes, etc. et des écarts avec les favoris. Ça le fait de temps en temps. Alors, je prends le grand plateau puisque là, ça s'accélère devant. C'est Wynance, on dirait, et Westra qui ont lancé les hostilités. Et là, je suis avec Perez et Cheros. J'avais pris pour cette étape une pâte d'amande pour essayer de récupérer, particulièrement avec Kwiatkowski, et un gâteau pour le final. Donc là, à 14 km de l'arrivée, on va bientôt attaquer la première bosse. Là, à la sortie de ce virage, je vais le faire attaquer. Allez, c'est parti. Tony Martin doit démontrer qu'il sait également être un bon puncher, un coureur d'étape, et pas simplement un coureur pour les chronos, bien que ce soit le meilleur dans ce domaine-là. Où il a fait un petit écart là, avec ses compagnons d'échappée. C'est très très bien ça. Là ça tourne à gauche. Et là, on entame l'ascension
la première boss là qui compose le final dans Lyon. Et je vais donc donner, d'abord je vais regarder combien il y a d'écart, il y a 32 secondes à Westra, c'est bien ça. Je vais lui donner son ravitaillement et le laisser gérer tout seul parce que là je pense qu'il a fait une bonne opération. Allez, il prend son ravitaillement. 38 secondes d'avance sur Westra, on dirait. C'est bien. Allez. Et bien maintenant, on va lui souhaiter bonne chance à Tony Martin. Et moi, je vais aller m'occuper de Katowski, qui va essayer de tenter quelque chose dans ce final. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, je vais demander à toute mon équipe, sauf Tony Martin, de relayer au maximum. Tiens, on va voir si ça peut-être créer des chutes ou ce genre de choses. Bon, il ne faut pas que je me fasse larguer non plus. Hein. Allez, on est à 16 km de l'arrivée avec le peloton. Kwiatkowski qui a perdu beaucoup de temps lors du chrono du Mont-Saint-Michel doit essayer de grappiller quelques secondes, ce serait pas mal. En tout cas, il va tenter quelque chose dans le final. Avec toute la fougue de sa jeunesse. Donc là, l'équipe s'est mise à son service et roule à bloc. Et dans pas longtemps, je vais leur demander d'arrêter. Alors là, le virage. Qu'est-ce que ça dit devant? Tony Martin, 46 secondes devant. C'est pas mal, ça. Allez, moi, je mets le grand plateau. Je demande à tout le monde de rester dans leur groupe. Voilà. Sauf à Tony Martin, c'est bon, il est en carte blanche. Allez, faudrait que j'arrive à me repositionner parce que là, c'est des équipes de sprinteurs là, qui se mettent devant. Et là, on va attaquer la première ascension. C'est bon, Tony Martin a gagné. Allez, attaque de Kwiatkowski, c'est parti, dans le virage. Là où c'est potentiellement le plus dur, sauf que je n'ai largué personne, on dirait. Voilà. Les sprinteurs purs devraient quand même avoir du mal à suivre. On va voir ça. Je suis toujours en grand plateau. Kwiatkowski fait son effort. Le peloton est vraiment pas loin derrière. Ils sont là. On dirait que c'est la loto qui fait même l'effort. Voilà, le virage là. On va essayer de ne pas tomber. De toute façon, c'est des barrières, donc on ne tombe pas. Allez, il faut gérer raisonnablement bien cette descente. Hivert est tombé, d'accord. Allez, on va relancer un petit peu là, sur le plat. On gère ce virage, qu'est-ce que ça dit derrière? Chute collective, ça c'est très bon, j'aime entendre ça. Bon, après il faut voir ce que ça donne au niveau des écarts. Mais Kwiatkowski continue son effort. Celui qui passe seul en haut a de fortes chances de gagner, ben, c'est sympa de dire ça alors que les 5 premiers sont déjà arrivés. Mais bon, peu importe, là... Situation de course, 13-01, 13-48 pour un groupe avec mes coéquipiers d'ailleurs. Bon, pour le jaune, ça va être largement suffisant. On fera, on comptabilisera un petit peu à la fin de cette étape. Concentrons-nous sur l'arrivée au Kwiatkowski. En tout cas, ce sera bien montré dans le final là.
avec une attaque franche. Allez, là on peut bourrer à fond sur le sprint parce que le rouge ne descend absolument pas dans cette descente. Allez Kwiatkowski. Voilà, il en finit à la 6e place, 12,48 et 13,25 pour les sprinteurs. Et le peloton, peut-être, on va voir ce qui s'est passé. En tout cas, on voit Valverde, hein, qui est le deuxième au général, dans le troisième, je crois. Bref, on va regarder les écarts un peu plus tard. Pour le moment, profitons de la belle victoire de Tony Martin, qui, après s'être imposé sur le chrono du Mont-Saint-Michel, s'impose ici, à Lyon, en puncher. Et de surcroît, c'est moi qui le contrôle, pour le coup, qui le contrôlais. Alors que le Mont-Saint-Michel, je contrôlais ce coureur, Kwiatkowski, le maillot jaune, qui conserve et conforte, je pense, de quelques secondes, ce maillot. Le maillot vert, donc toujours sur les épaules de Cavendish, même s'il n'a pas fait un top 10, alors que Kittel en a fait un. Maillot à poids sur Velitz, Kwiatkowski en blanc. Allons vérifier, allons voir tout simplement les écarts éventuel de cette étape. Alors, nous avons Tony Martin qui s'impose 47,2 secondes devant ses malheureux compagnons d'échappée Perez, Wynans, Westra et Cheiros. Kwiatkowski intercalé qui prend la 6e place avec l'attaque dans le final de Lyon. Et qui est combien de secondes devant? Donc il n'y a pas 40 secondes, il y a 37 secondes devant Goss, Kittel, Greipel, Valverde, Cavendish ici quand même 11e, c'est honnête. Et donc regardons un petit peu s'il y a des gens qui ont décroché du 13-25, on ne dirait pas là. Donc on voit il y a Talanski, Velitz qui est là, Rodriguez, Vandenbroek. Par contre après, aïe, effectivement, comme souvent dans le final de Lyon, des chutes comme on a entendu, des écarts. Quintana qui perd encore un peu de temps, il est à 15-16. Je n'ai pas vu passer Froome, donc il doit être aussi dans ce groupe, à moins que je ne l'ai pas vu. En tout cas, il y a bien Contador aussi à 15-16, pris dans cette cassure ou cette chute, je ne sais pas. Et Froome aussi, et Vance également, qui est bien classé au général. Et bien voilà, Van Garderen, voilà, tous les top coureurs, enfin ceux qui étaient bien classés au général, pour la plupart, ils sont pris dans cette cassure, donc on va vérifier tout de suite ce que ça a donné au niveau du général. Mais ça, cette étape de Lyon avec l'attaque dans le final, c'est à nouveau montré payante. Donc Kwiatkowski, 5,49 devant Velitz, Valverde qui ne perd pas de temps vu qu'il était dans le bon groupe. Enfin, il perd quelques secondes, les 37 que j'ai indiquées grâce à l'attaque de Kwiatkowski. Donc il est à 9,55, 3e du général. Tony Martin qui prend la 4e place. Talanski, 5e, qui remonte au classement, il est à 11,42. Evans, 12,50. Froome, 12,53. Ben, une belle opération, une bien belle opération réussie par Kwiatkowski. Et c'est vraiment Talanski, hein, son plus gros concurrent pour le moment, pour le maillot blanc. Parce que Van Garderen est 10e à 15,02. Asprey, Rodriguez, Contador et Quintana à 16,37. Classement général bien surprenant, mais qui va sûrement être modifié. J'espère pas pour la première place, bien évidemment, mais en tout cas pour le top 10. Avec l'étape de demain, le mythique Mont Ventoux. Je vous donne rendez-vous à demain. Juste vérifions les points. Cavendish a toujours un bon matelas d'avance, presque 40 points sur Kittel. Les jeunes, 11,42 d'avance pour Kwiatkowski sur Talanski et surtout 16,37 sur Quintana et 15,02 sur Van Garderen. L'équipe Omega et la combativité Chabanel. A plus tard.